Hello tout le monde, c'est Lego Paragon Trooper BXL. Ouais, ça fait pareil qu'il y a sur ma chaîne, hein. Donc c'est juste une petite vidéo pour présenter un mock sur 6 plaques vertes, donc 32 x 32. Donc il est assez bien fait, je trouve. Même si je suis pas trop content de lui. Donc c'est un mock sur Kashyyyk, hein. Vous pouvez voir. Oh. L'ombre des Wookie, Wookies et même un 32 champs. Ici, un avant-poste. Putain, il est tombé celui-là. Voilà. C'est mieux. Donc des arbres, des palmiers, une canonnière qui s'est écrasée, un petit lac. Et donc, on va commencer tout de suite bah, par la canonnière. Hein. Donc. En fait, ce mock représente pour moi. Hein. Donc, le scénario, c'est un avant-poste rebelle qui veut attaquer, qui veut braconner dans les territoires Wookiee, on va dire. Et trafiquer, etc. Comme on a vu dans Clone Wars, qui faisait des chasses à l'homme. Et les clones commando ont et des ARF ont lancé un assaut. Mais ils se sont écrasés. Donc, on peut voir ici avec turbine en feu. Avec des canons complètement défoncés, des morts partout, des blessés. Ici, on peut voir une traînée de terre, bien évidemment. Ici aussi, oui. Bon. Enfin. Donc, elle s'est écrasée, donc et, on peut voir un peu tout. Ici, on a un ARF mort, canon tout défoncé, un peu de feu. Mon commando sniper, j'ai mis une nouvelle arme maintenant, qui est en train de sniper. Mon clone commando custom blessé, hein, qui est en train de sortir le pilote de qui s'est pris la tête dans le pare-choc, dans le pare-brise. Ici, on a un autre commando qui est en train de soulever une plaque qui est en train de, qui était sur un ARF. Un autre ARF qui soigne un autre ARF, un ARF. Le commando, commandant commando qui se met à couvert. Ici, un autre commando bah, qui tire sur les rebelles en approche. Donc, ici, on a l'eau. Donc, j'ai essayé de refaire la technique donc, comme SolidWorks Studios. Hein. Donc, en ayant ici plus haut. Et... Mais moi, je préfère quand même vachement quand elle est dispersée comme ça. Donc, ici, on a deux Scout Troopers. Qui sont venus en reco pour voir ce qui s'était bien passé. Donc ça c'est une sorte d'antenne hein. Assez bien faite. Donc ils sont là et des snipers pour tirer sur les rebelles. Après on va faire l'attaque cookies. Donc ici on a Tarful qui fait un énorme cri de guerre. Voilà. Ici on a les Wookiees qui essaient de battre contre le 32 champs. Des rebelles. Un rebelle avec un bazooka. Trois rebelles mais donc version Andor donc. Mais que je dis que ce sont des rebelles des mercenaires. Ici donc on a de la terre. Vraiment bien. Mon arbre. Il s'est cassé. Ma main. Donc re, parce que j'ai fait une petite ellipse, vous n'en avez pas rendu compte, mais moi. Ça a dû faire 10 minutes, je pense. Enfin, voilà. Donc, voilà, je vous parlais de la Terre, qui est superbe. Très beau petit dégradé, avec des plates et des stacks. Donc, des caisses pour faire une sorte de barrière. Et donc, maintenant, on va passer au petit avant-poste, tout dégueulasse, tout pourri, et voilà. Donc, on a des antennes ici, avec des toits... Ah, c'est sympa. Des petits détails là. Et là. Bah, pas grand chose comme détail. Hein. Vous me connaissez pour le moment, je sais pas trop de détails. À part vraiment pour l'eau, la terre et pour certains trucs, mais bon. Donc, je vais enlever le toit et on se retrouve. Donc voilà, on est là. Donc voilà, c'est juste. Voilà une petite baie vitrée.
Ici, il y a un rebelle en train de parler avec un hologramme. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, bof, on voit pas très bien. Voilà. Qui était une merde. Ah, justement. Donc ici, on a une petite table, des ordinateurs. Là, là, hop. Je vais enlever la deuxième partie. C'est la plus simple, j'avais prévu. Donc vous voyez, c'est très simple. Hein. Donc ici on a deux 4 lits, une petite table à bouffer, des caisses, des poubelles, enfin une poubelle, des armes, l'autre qui tient la porte vitrée, donc un petit chien. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour ce mock. Voilà. Et aussi que moi j'ai bientôt rentré en vacances. C'est bientôt les vacances, wesh wesh. Et je vais aller au Lego Store. Vous pouvez voir. Je vais pas souvent parce que c'est quand même loin de chez moi. Du coup, je vais y aller ce week-end, justement, avec un pote. Et donc quand je reviendrai de là-bas, je vous ferai une petite update. Hein, ici pour vous dire. Oh, mon Dieu, il y a des bacs de rangement. Comme vous pouvez le voir, il y a des bacs de rangement. Je sais pas si vous le voyez bien. Ouais. Bof. Oh, les bagues de rangement. Et oui, il pleut dehors. Ça, c'est la Belgique, hein. Ça, c'est toi-même, tu sais. Voilà. Donc voilà, c'est juste ça. Il y aura encore deux autres mocs qui se baseront sur la même série. Donc, même série de mocs. Donc, un avant-poste. Et une attaque d'une escouade clone. Enfin, c'est encore à voir si je vais le faire ou pas. Donc voilà. Et les prochaines informations, elles viendront plus tard. Hein. Naturellement. Donc, une dernière petite vue du tout. Tata-tata. Et puis, toi, t'es plus facile à enlever en fait. Donc voilà. Donc on a ça, on a la canonnière. Voilà. Okay. Il donne encore assez bien. Je trouvais bof, mais en fait, il donne assez bien. Par contre, j'ai juste un truc de feu ici. Ouais, c'est le seul truc de feu que j'ai. Et sinon, voilà. Donc, sinon, l'eau, je trouve vraiment qu'elle est bien faite. Et je suis un peu enrhumé. Hein. Voilà. Bon, c'était tout. Ciao. Et plus pour l'update et le Lego Store Hall, même si je sais pas encore ce que ça veut dire. Et aussi que abonnez-vous et lâchez un like, hein, les gars, parce que sinon j'ai encore oublié. A plus. Et merci, on est déjà 65 abonnés. J'espère bientôt arriver aux 80, voire 90, 90, même au 100 pour faire un concours. Voilà, donc c'est prévu. Si on arrive aux 100 abonnés, je fais un concours. Allez. A plus les gars.